victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma Eleven fera de toi un champion. Hey, salut YouTube, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. Nouvelle session d'entraînement sur Road to Eleven, avec pour objectif aujourd'hui, messieurs, dames, eh bien de nous préparer au grand final qui arrive pour la prochaine session sur le jeu. Aujourd'hui, on a des objectifs bien précis. Je m'étais dit qu'on referait peut-être un peu dynamic carry, mais en même temps, bien que ça soit important, ça n'apporte rien de concret. Alors que finalement, faire de la chaîne de liens, c'est ultra bien important. Et en plus, ça fait un peu progresser quelque chose de réel dans le jeu. Plus que ça, il serait cool qu'à un moment, pendant que je fais de la chaîne de liens, si ça peut nous amener vers la zone commerciale, qu'on aille fouiller un petit peu les boutiques, histoire de rééquiper un petit peu toute l'équipe, avec des trucs qui augmentent des stats, etc., etc. Au passage, on ira voir Nelly juste après, parce que j'ai vu qu'on pouvait commencer à recruter des joueurs de la Royal Academy, et je vous rappelle que je voudrais King pour avoir un deuxième gardien en cas de besoin. Voilà. Parce que même si j'ai toute mon équipe, j'aimerais quand même un deuxième gardien, histoire de sécuriser tout ça. Dernière chose, je vous montre juste après, mais en fait, derrière Kirkwood, qui est donc l'avant-dernière équipe qu'on est censé affronter, il y a encore 5 équipes à venir. Donc, Zeus, et ensuite, je ne sais pas, mauvaise personne, c'est pas à toi que je voulais parler, désolé, Pépus. Attends, voyons voir. Donc voilà, aujourd'hui on va se concentrer principalement sur de la chaîne de liens. Parce que je préfère faire clairement avancer les choses. Donc, Monsieur le Vampire, commence par toi. Derrière le dojo du collège. Tant bien, c'est juste à côté. Et au passage, on va commander un joueur de la Royal Academy. En espérant tomber sur King du premier coup. Parce que c'est le seul qui m'intéresse réellement. Après, si, il y a bien le pote de Jude. Celui qui a un bandana. Mais bon. Voilà, enfin je veux dire, c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Ok. Donc on est parti, messieurs, dames. Aujourd'hui, c'est à 95% full chaîne de liens. Donc si vous avez des choses que vous voulez dire, c'est le moment. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, ça fait partie du scénar. Tadam! Tous les élèves du collège sont venus soutenir leur équipe. Après ce qui s'est passé, on est allé tout expliquer aux habitants de la ville. Oh non! On leur a dit que le club n'était pas responsable, qu'il s'agissait d'un complot visant à nous discréditer. On a réussi à purifier l'eau et à clarifier la situation. Vous pouvez jouer le cœur léger. Par contre, j'espère que c'est pas trop long. J'espère que je vais pouvoir faire de l'annexe. Vous avez fait tout ça. Merci, merci beaucoup. Allez, on y va. Allez, Raymond. Bonne chance, on est avec vous. Axel, de ce côté. Raymond, c'est les meilleurs. Merci, merci tout le monde. Hey, hey, tu as bien compris, Marc. Avec tout ce monde derrière vous, vous ne pouvez pas perdre. Ouais, je sais. Ça va être une victoire totale sur Zeus et sur Red Ark. Tu verras. Oui, c'est ce que je voulais entendre. Tu commences à comprendre maintenant. Merci à vous tous. On reviendra victorieux. Allez, en route pour l'ultime match. Pas de suite, pas de suite. Non, pas de suite, pas de suite. Calme-toi. C'est bon? Ouh, ok. Pendant 2 secondes, le jeu s'est énervé. Le scénar était là. C'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, on n'a rien loupé de ultra important. On fera juste un micro résumé dans l'épisode prochain. Enfin, dans le vrai épisode prochain du scénar pour expliquer ce qui s'est passé là. Mais voilà, on n'y a rien perdu en soi. Je vais essayer aussi de maxer les défis. Donc je sais que c'est pas le genre de session qui peut plaire à tout le monde. Mais encore une fois, on s'entraîne, on y est. Hein. C'est le dénouement. De toute façon, Road to Eleven sert à ça. Donc si t'es là que pour le scénar, encore une fois, je te le rappelle, YouTube. Pas besoin de regarder, parce qu'il y aura que ça. Que de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, de la récupération, de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, de la récupération, la boutique de récupération, de l'entraînement. Voilà, maintenant tu sais. Je voulais rajouter un truc. Ah oui, il est possible qu'une fois qu'on ait terminé l'histoire principale, cette petite série continue encore un petit peu. Parce que... peut-être qu'à un moment, j'aurai envie de récupérer d'autres personnages un peu oubliés. Peut-être que j'aurai envie de faire 2-3 trucs encore après. Vous voyez, ça dépend de mon envie à ce moment-là. Ok. Allons-y, monsieur-là. Perdons pas de temps. Allons-y. Je commence à avoir un peu froid, moi. Oh là là, oh là là. En vrai, il fait beau tous les jours et comme par hasard, le seul jour où je tourne, réellement, où je fais une grosse, grosse session de stream, il fait froid de ouf. Peut-être aller mettre le chauffage après. Hein. Oh là là, oh là là.
Et c'est le but incroyable. Prochaine session. Oui, c'est ça, ça me revient. Prochaine session sur Road to Eleven qu'on fait. On s'intéressera aux matchs amicaux. Et on tentera de terminer les matchs précédemment commencés. Parce qu'en plus, une fois qu'on aura terminé les niveaux de base, alors je sais pas s'il faut tous les finir ou tous les finir en rang S. Rang S, je rappelle, 5 buts de différence avec l'adversaire. On déverrouillera le mode extrême. Et du coup, le mode extrême, bah, c'est le mode extrême. C'est le mode extrême. Et bonjour, bonsoir aux Kazma qui nous rejoignent. On a bien avancé sur le scénario aujourd'hui, 5 épisodes, je crois. Mais du coup, maintenant, on se concentre sur de l'Alex. Et j'arrête pas de me gourer, c'est un truc de ouf. Je voudrais aller récupérer un joueur dans la zone commerciale ou proche. Loin, loin, très loin, de la nuit et le jour. Oh, t'es marrant, toi. Je rappelle qu'on peut faire une team de chapeauté. Près du foyer sportif. Il est juste à côté. Parfait. Parfait. Il y en a qui ont des bonnes têtes, hein. Même s'il y en a qu'on va récupérer dans le 2. Genre Polo. Parce que Polo est devenu une légende. On essaiera de varier quand même un petit peu les plaisirs. Et de faire en sorte de pas avoir totalement les mêmes joueurs dans le 2. Attendez, je regarde sur la map, mais je le vois pas. Il est où Michel? Michel? What's up, Michel? Tu m'as dit foyer sportif, mais je l'ai pas vu au foyer sportif, moi. Watcha! Petite volée. On est bien. Par contre, attends, on va changer, parce que Axel en attaque, oui mais non. Oui mais non. Oh, c'est ça! Est-ce que j'ai remis Kevin dans l'équipe? Attendez. Parce que Kevin, je l'ai mis en retrait parce que bon, bah Kevin, déjà il avait max de niveau de plus que les autres. Et surtout, genre, bah voilà. Mais Kevin, avec ses frappes du tonnerre et tout là, non, ça peut le faire. Il est où mon joueur? Attends. Attends, je le vois pas. Ah, il est là! En fait, je m'attendais pas à ce qu'ils m'attendent en plein milieu. Non, en général, ils sont dans les coins. Ok. Je veux bien rejoindre ton club, mais seulement si t'arrives à me battre. Bah, c'est parti! C'est parti, c'est parti. Oh, oh la mine, oh la mine, oh bout, oh bout, oh c'est naze. Oh c'est naze de mettre des buts comme ça les gars. Le respect il est mort, hein. Le respect il est pire que mort même. Ah, attends, je vais chercher mon Kevin. Et ensuite, Axel il va quitter mon équipe de défi. Ce que je veux faire grimper c'est qu'on a besoin. Je rappelle que j'aimerais bien que mon équipe soit, si possible, pour chacun de ses membres, minimum niveau 40. Ça peut paraître beaucoup, mais ça l'est pas tant que ça, finalement. Dead. Kevin. Il est où, Kevin? Kevin. Alors, Kevin. Par contre, la question, c'est tu vas prendre la place de qui? Kevin, tu vas prendre la place de qui? Parce que j'ai déjà beaucoup d'attaquants, en vrai, hein. Beaucoup d'attaquants et beaucoup d'attaquants que j'ai pas envie de retirer en fait. Est-ce que je suis obligé d'avoir Kevin? J'ai pas obligé d'avoir Kevin. Bon, écoute, pour le moment je pars du principe que j'ai pas envie de retirer Kevin, que j'ai pas envie de rajouter Kevin. Donc je vais pas le rajouter. Après, si je sens vraiment qu'il apporte un plus, je le rajouterai. Mais pour l'instant, bof. Ah, attends. Parce que là, j'ai vraiment des joueurs qui ont un retard fou. Enfin, retard fou. Il y a retard et retard fou. Mais genre Mile. Genre Mile, tu dégages. Voilà, et tu viens là. Axel. Shadow, du coup, qui va revenir. Ah, attendez. Ah ouais, ça va être chaud de faire atteindre tout le monde au niveau 40. En fait, dans cette session, ils passeront pas 40. Mais moi, en off, je vais tenter de les entraîner. Pour qu'ils aient le niveau, quoi. Parce que, en vrai, là où on dirait pas, mais... Zeus a vraiment un niveau qui est au-dessus du reste. Arcade. Ouais, mais moi j'aime bien Arcade. Ouais, je sais pas. J'aime bien Arcade. Pas envie de retirer Arcade. J'aime bien son tir comète. Après, Talisman, il a un tir, le tir Blizzard, je crois, qui est pas mal aussi. Foyer sportif. Eh, mais attends, mais les gars, vous êtes tous au foyer sportif! Pas dire que ça m'arrange pas, mais en même temps, on va bien bouger, moi. J'ai l'impression que se ranger. En fait. Plus je reste proche du début de la chaîne de liens, plus ils sont dans la zone, et plus je vais aller loin, et plus les joueurs seront loin, je pense. Ou perdus. Déjà, on a eu des joueurs, pour les trouver, c'était « Tu trouveras ce personnage près du carré de terre. » Tu t'accroches, quoi, pour l'avoir. Aïe! Oi, oi!
Oui. Voler, tête, voler. Voler, 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 voler. Whatcha? Attention. On est là, on rigole plus nous. Déjà qu'on a plus Sagi. All Might! Match final prend la meilleure équipe avec Kevin. Mais ouais, mais. M'embête que Kevin, moi. Oui, bon, oui, oui. Non, mais il a un tir de port. En vrai, il a un bon tir. Son tir de la tornade du dragon. Qui est l'une des toutes premières techniques, hein, d'ailleurs. Mais oui, en vrai, il nous la faudrait. C'est pas que j'aime pas Kevin, c'est qu'il y en a que j'apprécie quand même. Hein. Bon, de toute façon, pour l'instant. Il a un niveau. Il a un niveau, donc on va privilégier réellement ceux qui n'en ont pas. Ensuite, je regarde. Pourquoi je veux toujours aller voir. Je sais pas. Je veux toujours aller à gauche. Mais. Oui, oui. Si jamais je sens que j'en ai besoin, j'irai le rechercher. Ok. Je vais regarder à peu près ce qui manquait pour cette ligne. Allons-y. Samouraï. Il est beaucoup trop dur le match final. Oui, oui. Bah tiens, quand on parlait du carré de terre, tu trouveras cette personne près du carré de terre. Les gars. Non mais connais ton jeu, hein. Connais ton jeu. Moi j'aime sentir les buissons. Oui, par rapport au reste du jeu, ouais. Mais en vrai, j'arrive pas à me rappeler de la difficulté en elle-même, parce que je me dis, bon, bah ça se trouve, c'est le gardien qui est vraiment chaud, ainsi que le tireur, ce qui serait logique. Mais pour le reste, si tu gères bien les passes, ça... passe. LOL. D'ailleurs, ça dépendra de cette session et de plein d'autres choses, la fatigue notamment. Mais si on est bien bien, on va peut-être finir le jeu ce soir. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, il faut que mes membres soient réellement d'un niveau acceptable. Ensuite, il y a trop de choses. Trop de choses. Mais on va se donner. On va se donner. Parce qu'en vrai, je suis trop bien moi sur le jeu là. Depuis quelques épisodes, je m'éclate. En fait, depuis que le jeu démarre réellement, qu'on a des techniques, qu'on avance et qu'on commence à croiser des personnages super intéressants, enfin, c'est... En fait, Inazuma Eleven, c'est très bien au début. Et en fait, plus t'avances et mieux c'est. C'est ce que je disais la dernière fois, mais moi, c'est le ressenti que j'ai. C'est plus j'avance et plus, en fait, je trouve ça excellent. Après, voilà. Je me suis arrêté à Chronostone. Je sais pas ce que ça vaut ensuite avec Inazuma Eleven Ares et autres. Je vais m'y remettre. Mais non, franchement, moi j'y prends du plaisir. Là, ça me motive de ouf. Là, actuellement, là maintenant, tout de suite, j'ai envie d'enchaîner direct sur le 2. Mais on verra d'ici là. Je commence à me demander si c'est une bonne idée de faire Persona 5. Hein. J'ai très envie, mais en même temps, je me dis que le jeu de base demandait 100 heures d'histoire. Hein. Là, ça va être plus encore, parce qu'ils ont rajouté du contenu. Sans compter le fait que... il y a des moments de temps mort. J'ai peur qu'on s'engage dans un truc trop gros. On va voir. On va voir. En fait, le problème, c'est que j'ai jamais réellement joué, donc je peux pas savoir actuellement, mais... Wouah! Woudidou! Outakatak! Outé! Voilà! Des bancs de terrain de baseball. Très bien. Ouais, je sais pas. Persona 5 me donne très très envie et en même temps me fait très très peur. Me fait très très peur. Parce qu'en termes de durée de vie et de suivi de l'aventure et autres, ça a l'air compliqué. Hein. Ça a l'air compliqué. Quoi? Mais rends-nous la biche! La biche! La mimiche! La mama, la mimi, la momo! Miles! Ah, Miles qui vient de débarquer, je rappelle. Hein. Donc oui, forcément, pas le niveau réellement. Enfin, si, pour faire des tags, mais. Ok. Tête, balayette, coup de tête. Sata. Non, mais de toute façon, les gars, on a Polo dans l'équipe. Donc, cherchez pas. Le match final, on le gère. On a Polo. Qu'est-ce que tu veux, on a Polo. Avec Polo, on peut tout faire. Par contre, est-ce qu'on peut mettre le but, s'il vous plaît? On passe à autre chose. Pouf. Voilà. Et qu'on puisse se rendre dans la zone commerciale. Mais c'est pas vrai! Mais laissez-moi aller faire mes courses! Eh, c'est une dinguerie, hein! Wow! Tu mettras pas, je te dis, tu mettras pas. Boing! Si je me prends un but en lob, c'est la honte. Non, c'est bon. Marc, il a trop de talent.
Gata Wutu Gata Wah. Donc, le but ou pas? Parce qu'il y a un joueur qui colle le gardien. Pouh! Joli. Et du coup, il m'empêche de... Mais c'est pas vrai! Oh, mais attends, c'est qui la balle là? Ah d'accord, oui, oui, ok. Ouais, sauf que je vais jamais passer. Bon bah... Je vais perdre. Je vais perdre. Je vais perdre, c'est pas grave. Quoique, quoique. Attends, si ça se trouve... On va faire passe, 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 et puis but. Enfin, but en tirant, je pars. Oui! Ok, cette fois, tornade noire, hein. Parce que bon. On la met, hein. On la met. Le mec, à la seconde près. Rien n'a pété. Et en plus, j'ai même pas affronté le gardien. Pou, pou, pou. Le respect, il est mort. On est bien. Chaque petit défi compte. Chaque combat. Chaque match. Chaque duel. Ok, salut. Du coup, je viens de m'épuiser comme un porc, mais on est reparti, hein, on est reparti. Toi, t'as une tête de gardien. Je fais jamais gaffe au profil avant de les affronter. En fait, je dis ça pourquoi? Parce que, bah, forcément, c'est des gardiens, ils sont plus susceptibles d'avoir des techniques de gardien. Et donc, ça me permettrait de savoir si j'ai besoin de faire des gros tirs ou pas quand ils sont gardiens. Genre, par exemple, je sais pas. je sais pas. Ce qui serait bien, à partir du 2, parce que dans le 1, ça a l'air mort, ce serait que les joueurs aient plus tendance d'être aussi sur le terrain pendant les défis. Parce qu'en fait, bah, tous ceux que tu défies là sont d'office gardiens, mais ça serait bien que quand t'affrontes des attaquants, bah, ils soient attaquants. Tu vois ce que je veux dire? Oh, il est chiant lui, hein! Et Michel, là, hein! Wow! Attends, petit tacle des familles. Petit attaque. Oh! Miles! 88 miles à l'heure! Attends, oui, oui, oui. Parce que là, j'ai vu, hein, j'ai 47% de chance. Enfin, je suis à 47 points contre 82. Autant dire que ça passe pas. Oui, mais les matchs donnent plus d'XP, je rappelle. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Tu as raison. Mais encore une fois, les matchs sont intéressants pour la suite. Ah, mais alors lui, si c'est pas un gardien, c'est un défenseur. Hein. Mais le problème, c'est que si je fais des matchs. Donc je fais les matchs amicaux, pour que ça reste intéressant. J'avance pas sur la chaîne de liens, et c'est toujours pareil, les chaînes de liens, si tu les fais avancer, t'as plein d'avantages, t'obtiens des nouveaux joueurs, t'obtiens plein de choses. Donc en fait, c'est vachement bien. Ah oui, il est défenseur. Mais la dernière fois, on a fait 40 minutes en chaîne de liens. C'était bien, hein, parce qu'on a pu faire tous les escargots, là, rappelez-vous. Tout un tracé, mais il nous faut plus que ça. Hein. Il faut au moins qu'on dépasse la moitié du truc de relation, parce que là, on est encore loin. Hein. Je rappelle, il reste encore tout ça à faire. Il y a Eric Eagle à la toute fin, mais non. Donc vous voyez à quel point genre ce truc est grand. En fait, là où c'est intéressant, c'est que du coup, ça offre plein de possibilités. Ça veut dire... Bah derrière ça, tu peux aller chercher plein de persos, et du coup, ça rajoute de la durée de vie. En partie fictive. Mais en même temps, vu que c'est un jeu... Oh, il est trop stylé! Avec son pingouin sur la tête! J'adore! Et du coup, lui, il est à la tour, donc on va aller à la tour. Mais... avec la fin de jeu, du coup, ça apporte des choses à faire. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'on va trouver de l'intérêt, sûrement, de faire du Road to Eleven après la fin de l'histoire. On verra, on verra. Le temps de commencer le 2. Peut-être même que je jouerai encore au 1 en parallèle du 2, hein, c'est possible. Ça apportera rien, mais bon, c'est rigolo. Donc je le trouverai à la tour. Non, non, attends. Si, non, attends. Ce que je cherche, il a un chapeau de pingouin. Des pingouins, des pingouins. Là, t'es trop marrant, toi. Je vais le recruter, lui. Non, je te veux. Du coup, on va pouvoir aller faire les courses. C'est cool. Parce que je voulais qu'on s'écarte un peu du collège pour aller faire les courses. Génial. J'adore. Yop. Hop. Ça pue. Il est génial. Il est trop fort. Je suis trop fan. Ok, on y va. Je suis pas sûr de la mettre.
Par contre, il a une technique de merde. Tout ce qui est bourrasque, bof. Mais attends, parce que si c'est un gardien, si j'ai pas King, je prends Pingouin. Si j'ai pas King, les gars, je prends Pingouin. Enfin, Pingu. Qui a vu ce dessin animé de génie? But? Mais non. Mais nul? Qui a vu ce dessin animé d'époque avec Pingu? Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais trop fan. Aujourd'hui encore, je suis fan. Du personnage, hein, le dessin animé, il a pris un coup de vieux. Et encore. Je sais que les épisodes sont dispo en HD sur YouTube, pour ceux que ça intéresse. Ah, attends, du coup, c'est un gardien, Pingu? Mais non. Fais voir. Mais c'est un gardien! Pingu! Damn! Et en plus, il a la lame gardienne. Wow, Pingu! Respecte Pingu, hein? Wai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 a
Maillot de passion. Ok. Toi, c'est bonus. Eh ben, t'es motivé, toi, hein. Tout à fait. Tu veux parler au vendeur? Ah. Ils vont la même chose, autre. Ils vendent la même chose. Ou alors, ça fait deux fois que je parle au même. Non. Par contre, on peut vendre, c'est intéressant, ça. Hein. Attends. Ok. Bon, déjà, ils vendent la même chose, je crois. Qu'est-ce qu'on peut vendre, concrètement? Et à quoi ça sert? Ah, il y a des parchemins et tout. Enfin, des parchemins, des techniques. Tir météore. Ça ressemble à quoi, déjà, le tir météore? Non. J'ai personne qui a un tir météore, là, que je tâte. Tir météore. Attends, déjà, je vais faire un truc. Un truc que j'oublie tout le temps de faire. Il est où? Là. Axel. Technique. Parce que Axel, il a deux fois la subtilisation, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on pourrait lui apprendre, lui, concrètement? Attends. Qu'est-ce qu'on pourrait lui apprendre? Une technique d'attaque, peut-être? Détriplement, non. Disparition, si circuit. Oh, quoique, attends. Ah! Je pensais que je pourrais choisir de le mettre en dessous, enfin au-dessus, vous avez compris. Attends, du coup, qui a le tir météore? T'as pas un tir météore, toi? Toi, t'as le tir comète. Y'a pas quelqu'un qui a... Les attaquants. Y'a quelqu'un qui a le tir météore, les gars? Tir psychique, portique mystique. Toi... Non. Tir dynamite. Oui, il sert à rien. Lui qui est niveau 27 quand même et qui a toujours rien. Le mec il va prendre la tornade de feu nulle part. Oh, pas de prêt. Tir dynamite, tir grenade. Ah, tir météore. Ah, attendez. Parce que je veux d'abord le voir, le tir, avant de l'apprendre à quelqu'un si besoin. Parce que par exemple, Shadow... Avec sa tornade noire, c'est vachement bien la tornade noire, mais le truc c'est qu'il a que ça, et elle consomme pas mal la technique. Donc j'aimerais bien... bien vérifier. Donc, premièrement, il faut qu'on aille voir et tester quelqu'un avec le tir météore. Deuxièmement, il faut que j'aille voir si Nelly a ramené King. S'il y a King, je prends King. S'il n'y a pas King, je prends Pingu. Pingu. Et puis voilà. De toute façon, en vrai, je me tâte, hein, mais je crois que je vais prendre Pingu. Attends. Miles. On va revenir après. Il est où l'autre? Je crois que ça s'appelait Ticure, un truc comme ça. Ah, là, c'est lui. Ok. Alors, fais test. Défi. Les gars, défi. Les gars défi. Pourquoi quand tu cherches des défis t'en as plus? Pourquoi c'est toujours pareil? Ah c'est bon. Ok. Alors. Montre-moi. Je suis tout ouï. On t'écoute. Enfin on te regarde. Alors montre-moi. C'est stylé. C'est pas mal, j'aime bien. Ça consomme combien ça? 17 je crois. Parce que si c'est 17 en vrai, non c'est bien hein. C'est bien. Parce que contre 42, attends. Ah, c'est une technique de feu. Mais Shadow, il est quoi, lui? Axel est feu, mais Axel, il y a déjà plein de techniques.
C'est pas la même que dans le 2. Ah, mais il y a des techniques qui ont dû être revues, hein. Max, c'est le pro des attaques. Alors lui, c'est... Le mec, il fait tout ce que tu veux. En vrai, je vois bien Arcade apprendre ça. En même temps, je me demande si, vu le style du personnage, il va pas l'apprendre d'office, en fait. Ah, il me tue, Polo. Attendez. Ah, oh, je crois que je vais apprendre à Shadow. C'est quoi l'ultime technique de Shadow? Quelqu'un peut me chercher l'ultime technique de Shadow? Non, je vais la garder en réserve. Mais pour le moment, je ne vois pas à qui je peux la prendre. Mais je la garde en réserve. Ok. Miles. T'es où, Miles? Miles. Miles. Ah, Miles. Ah, Miles. Ah, Miles. Miles, Miles. Alors, King ou Pingu, le duel de légende, c'est maintenant. Le roi de la savane ou le roi de la banquise? Bon, bah c'est le roi de la savane. King, il est stylé quand même. Hein. La porte principale du collège. Très bien. Attendez. Tant qu'à faire, je me prends un personnage de lien. Oh, mais Pingu, quoi. Pingu. Ce serait bien de pouvoir se TP d'où on veut, quand on veut. Plutôt que de devoir retourner jusqu'à la porte à chaque fois. En fait, ce serait bien de pouvoir recruter à distance par téléphone, de dire hey, « Eh, on fait avancer la chaîne de lien ?» Plutôt que de devoir y aller à chaque fois. C'est du temps de perdu, hein. Du temps fictif. Attends. Du coup, porte de l'entrée du collège. Alors, ce serait le triangle de la mort pour cet opus ? Hein ? Le triangle de la mort. Quel triangle de la mort ? Ha ha ! On a King, messieurs dames, depuis le temps. Je vais direct le mettre dans l'équipe. Comme ça, il remplacera quelqu'un qui est pas utile. Et voilà quoi. Ah, je sais pas. Oui, non, mais je pense. Hein. Non, c'est pas dans cet opus le triangle de la mort. Le triangle de la mort, pour moi, ça vient à partir du moment où on revoit la Royal Academy. Quand ils sont lobotomisés. Je cherche, hein, je regarde un personnage que j'utilise pas beaucoup. Bon, j'apprécie Talisman, mais en vrai, je m'en sers pas. En vrai, je m'en sers pas. Alors que King, je m'en servirais. Alors, il était niveau combien? Niveau 29, King. Il a que des techniques de gardien? Il a que des techniques de gardien. Et bah, c'est parti, hein. C'est parti. Allez, on continue, monsieur dame. On va se faire une heure et demie. Une heure et demie. Parce que deux heures, en vrai, c'est long, quand même. Deux heures à faire que ça, en plus. Fou. Mais bon, ce qui doit être fait, doit être fait. Et si on peut récupérer un maximum de coffres aussi, ce serait cool. Oh, 1500 points de motivé. C'est motivant, ça. On fera peut-être un match amical, quand même, pour terminer tout ça. Parce que sinon... Après, c'est pas rigolo de faire tout le temps la même chose. C'est aussi dans le 1, c'est juste que dans le 2, il y a le triangle de la mort 2. Alors, d'accord, mais du coup, Jude, c'est pas une technique principale qu'il a. C'est une technique qui s'apprend par parchemin, du coup. Parce que là, Jude, il a déjà ses 4 techniques. Hein. Il a le tir puissance 2. Le triangle... pas le triangle... Attends.
Jude, il a quoi, là? Jude, il a... Donc la scie circulaire, le ballon illusoire, tire puissance 2 et éclair pulvérisant. C'est ça? Enfin, je veux dire, on n'est pas sur, on n'est pas totalement sur ça. Alors, attends, près de la berge. Près de la berge, est-ce qu'il n'est pas sur la berge? Non. Proche de la berge, proche de la berge. Ouf. Après, il y a berge et berge, hein. Ça, c'est pas forcément la berge. Au fait, depuis quand c'est Miles devant? On va mettre Shadow devant. Parce que oui, c'était pour Ticure, je crois. Mais du coup, maintenant, enfin, Miles, elle est milieu de terrain. Hein. Enfin, il est mi... Miles, c'est un personnage. J'ai toujours eu un peu du mal à savoir. Après, il faut savoir que c'est le genre de série, Inazuma, où il y a beaucoup de personnages qui font très androgynes. Enfin, c'est... tu sais pas trop. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Il y en a un au début avec la Royal Academy qui marque se fait des mots. Quoi? Kian, par contre, excuse-moi, hein, fais un effort, mais parce que je comprends rien du tout. Ah, trouvé. Oui, alors, dans le 1, t'as beaucoup de persos androgynes. Dans tout l'univers, t'as beaucoup de persos androgynes. Mais dans le 1, t'as pas de nana recrutable, hein, je crois. Hein. On en parle souvent, mais non, on peut pas en recruter dans le 1. À moins d'avoir une action replay. Enfin, un action replay, une action replay. Mince! Oh, zut, c'est pas grave. Hein? Et vas-y. Oh, dribble rafale. Ah oui, mais t'es mignon, toi, oh! Non, 1-0 fille. Bah, il y a des filles, mais pas recrutables. Attends, excuse-moi, hein, il y avait Samantha. Tu me diras pas que Samantha, c'est un garçon, quand même. Alors, c'est Samantha. Ça monte. Mais il y a des filles, c'est juste qu'elles sont pas recrutables, en fait. Ah. Oh! Je viens de caler. Oh, le but! Parce que j'avais avantage à 84, du coup j'étais pas prêt. Très bien. Très très bien. J'ai pas équipé, hein. Ça va pas du tout, hein. Attendez. Joueur. Comme ça. Équipement. Bien beau d'avoir des équipements, mais de pas s'en occuper. Attends. Non, c'était les crampons que j'avais achetés? Non. Attends, j'ai acheté un truc pour la défense. J'ai peut-être cru les acheter. Très bien. On va augmenter par contre la puissance d'Axel. Casse-toi. Si. Équipement. Je crois que j'ai cru les acheter, en fait. Non, passe. Oh, je vais trop vite. Je vais trop vite, mais en même temps, c'est sensible, quand même. Hein. Oh. Ok, on est bien. Samantha, elle est recrutable. Bah, j'ai essayé, j'ai pas pu. Mais du coup, si Samantha est recrutable... Donc, on peut recruter les filles. Enfin, Samantha, c'est pas une fille. D'accord. Ou alors, je comprends vraiment plus rien. J'ai encore oublié de mettre Shadow. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que... El Tornado. Je vais faire une petite coupure juste après ça, par contre. Oh, joli. Eh, mais ils sont chauds, eux! Pour de vrai, ils me sortent tous des techniques, là! Non, mais franchement... non, mais je prends plus de risques. Attends, ils me sortent tous des techniques... Mais regarde ça! Balle de terre.
D'accord. Mais parce que Samantha, j'avais déjà essayé de la recruter. Putain, mais ils sont énervés maintenant pendant les défis et... Waouh. Allez, on avance. Hop. Ah ah, tu as cru, hein. Allez, tornade noire. Arrête de déconner. Ils sont méga énervés pendant les défis. Pas le temps, hein. Le pauvre gardien qui a pas compris. En fait, tous les gars sur le terrain, ils étaient énervés, ils avaient des techniques et tout. Le gardien lui était là, mais j'en ai pas à moi. Et il s'est fait manger. On est bien. Ok. Acus a rejoint le club. Ok. Re-YouTube, excuse-moi, petite urgence. Donc. Oh, nouveau maillot. Maillot champêtre. En fait, je me suis embêté à acheter des maillots tout à l'heure. Et je me demande si, en fait, tous les maillots, on peut pas les trouver. Ce qui fait que c'était inutile. C'est pas grave. Allez, c'est reparti. Un effort. Je vais peut-être retirer le bracelet voyant. Parce que je l'avais remis en me disant que... comme ça, on fera un max de défis. En même temps, c'est pas pratique, hein. Tac, tac, tac. Ok. On a presque fini une nouvelle ligne. Terrain de foot de la rivière. Attends. On va retirer le bracelet. On y gagnera. Non, j'y arriverai jamais. Marque. Option. Équipement. Et parce que d'un côté, le menu est très clair. De l'autre... Et pas très pratique non plus en fait. Attends. Ah! Parfait! Allez hop! Et un bracelet sacré. Un! Au moins avec ça, on est full death. Full death. J'aurai jamais mon équipe niveau 40 pour ce soir. Hein. Jamais. Rivière. Non, je pense que je vais devoir m'entraîner en neuf. Parce que même si là, tout de suite, je me mets à faire des matchs et tout, mon équipe niveau 40, quand tu sais qu'il y en a qui sont niveau 21, 17, ah, c'est chaud. Ça monte, hein. Non, en vrai, ça monte. Ça monte bien. Mais il y a encore du taf. Donc on a dit, terrain de la rivière, maintenant, faut trouver... il y a les KFC. Il y a le vieux. Ok, il est là, je le vois. Il est à côté de l'arbre. C'est le même en fait que tout à l'heure. D'ailleurs, si c'est le même que tout à l'heure, mettez-le au même endroit. Enfin, dites oui, tu le trouveras près de la berge. Ça m'évite de cercer. Ah, ouf. Ok. Allons-y. Natsa! Wouah! Et la volada! Yatcha! On est bien! Il a arrêté, j'ai vu. Ok. Bien joué. Bouya! Et Miles en milieu de terrain propre, hein? Et celle-là, tu vas l'empêcher ou pas? Non. Parce que même si t'as une technique de gardien, en fait... non, t'es nul. Non, pas de rabat. Voilà, je te le dis. À un moment, vous respectez un peu, hein? Bande de ripoux de la rue. Oh, tous des ripoux dans le jeu. Des ripoux. Des pourris, des ripoux. D'ailleurs, est-ce que ripoux est une reverse de pourris? C'est insultant. Enfin, ripou est insultant, mais pourri, c'est pire en fait. Oh, la question du soir. Ce serait bien de pouvoir faire la chaîne de liens à distance. Parce que c'est chiant de juste retourner au local pour qu'on te dise qu'en fait, bah, tu vas revenir probablement dans la même zone. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, tu fais allô? Oui, alors voyons voir. Chaîne de liens, machin. D'accord, je vais là-bas. Très bien. Attends, si ça se trouve. Me pose la question, mais
de peut-être le faire. Ah non, je suis bête, j'avais déjà cherché. Non, 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 j'avais déjà cherché. Mais c'est vrai que si on peut faire une chaîne de liens par téléphone, ou un truc comme ça, serait plus pratique. Ok. Non ! J'ai retiré le bracelet de voyance, enfin de... qui fait que tout le monde te voit, donc foutez-moi la paix ! S'il vous plaît. Ce serait sympa. Alors, on enchaîne. Là. Ok. Il y en a encore 3. Après ça... Après ça, on se fera un petit match. Pour se dégourdir un peu. Donc attends, on a dit quoi? Recrutement, j'ai même pas fait gaffe où je devais aller. Vous voyez? Ça c'est chiant. Ça c'est chiant de te dire, bah tu reviens de la berge, tu vas au local et en fait on te dit de retourner à la berge. Ça a pris un coup de vieux par contre, un sacré coup de vieux. Et j'espère que c'est pas le même défaut dans le 2. Y a des gens qui ont fait le 2 ici? Parce que si c'est le même défaut, bah c'est le même problème en fait. C'est pareil, genre on arrive toujours d'à gauche. Bon ça, à la limite, d'accord. Si on pourrait arriver d'à droite, ce serait bien. Il y a un objet qui te rend invisible. Un truc genre, ne peut pas être défié. Genre, le bracelet qui pue. Genre, tout le monde te fuit. Oh! Le coffre que je vois depuis 3 ans. Bracelet du bonheur. Si j'avais vu marqué bracelet qui pue, je l'aurais équipé juste pour le délire. Il est encore au même endroit, hein. Enfin, à un centimètre près, quoi. Ok. Il a la même tête qu'un gars qu'on avait déjà recruté, lui. Ou alors, je l'ai peut-être déjà vu plusieurs fois dans la rue. C'est possible. C'est possible. Acha. Acha. Ah, d'accord. Très bien. Le respect est total. Oh, je le sens pas, toi. Tic-tic-tac-tac, touc-touc. Si, c'est bon. Tout va bien. Quand on fera le match, faites-moi penser à mettre King en gardien. Comme ça, King va prendre du niveau. Parce que même si Marc a besoin de prendre du niveau... Oh, est-ce que je mettrais pas Marc quand même? Non, 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 non. Bêtise, bêtise. On laisse Marc, on laisse Marc. Wouah! Eh, les défis, tu commences à t'accrocher, hein? Attention, hein! Tiki-tik-attaque, hein. Tiki-tik-tuk-tuk. Hutch. Hutch. Aya. Ah ouais. Attends, c'est chiant. Et surtout, la question, c'est est-ce qu'on remet Kevin? Est-ce qu'on remet Kevin? Ça va être compliqué, j'ai plus d'énergie, je peux plus faire de tir. Oh, tacle de la mort. Ça fait plaisir. Petite mitraille de passage, tout ça. Attends. Vise les côtés. Ouais, il faut que je remette Kevin. Faut que je remette Kevin. Faut que je remette Kevin. Non, j'ai pas envie de remettre Kevin. A chaque fois, je me fais la réflexion, à chaque fois, c'est le même résultat. À chaque fois, je me dis, ah ouais, peut-être, et à la fin, c'est non, non, non. Et parce que... En fait, Kevin, c'est comme Noisette. Je l'aime de loin, mais je l'aime de loin. Enfin, non, c'est pas que je l'aime de loin, c'est que c'est un personnage que j'apprécie comme ça, mais pas, pas à le mettre dans mon équipe. Je sais pas. Ça doit être son caractère. D'ailleurs, il me semble que Kevin ne participe pas au national. J'ai un doute. Ou alors, peut-être au début, et ensuite, non. Je sais plus, j'ai un doute. Alors. Hello, Yur. Il me restait 2 persos à aller chasser. Avant de se faire un petit match. La berge. Il change la phrase, hein, mais techniquement, c'est toujours le même endroit. Hein.
C'est chiant. C'est chiant ces allers-retours incessants là, pour pas grand chose. Mais alors, qu'est-ce que ça te fait? Ah là 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 là. Rivière. Si au moins c'était à côté. Alors, près des bancs, effectivement, je le vois. Derrière un banc à gauche. Là! Avant de me faire attaquer. Et bonjour, bonsoir au Caspa qui nous rejoigne. Nous sommes en pleine session d'entraînement. Diavol. Ça se passe bien. Enfin, d'entraînement, recherche, tout ça, tout ça. Pleine session de légende. Ouais, après on va passer en match amico et en Inabikari. Parce que c'est long quand même tout ça. Hein. Par contre, j'avais dit que je rechargerais et j'ai pas rechargé, donc forcément j'ai plus de piles pour mes persos. Super, c'est passé. Re. Oups, j'ai appuyé sur le bouton qui donnait des infos. Mais voyez, ce truc là qu'on nous apprend au tout début, le fait que certains types sont plus forts que d'autres, d'accord. Mais moi c'est pas un jeu où j'utiliserais réellement ça quoi. D'accord que dans certains RPG tu te dis bon bah un monstre d'eau tu vas utiliser l'électricité, un monstre de feu tu vas utiliser de l'eau. Mais c'est vrai que dans Inazuma Eleven c'est pas un jeu où j'ai le réflexe d'utiliser des éléments, vraiment pas. Je sais pas. Je préfère me dire qu'un défenseur aura plus de chances de dévier une technique d'attaque, ce qui est logique, tu vois. Enfin, je préfère fonctionner par logique de joueur, de stratégie, plus que de logique d'éléments. Alors... Oh! Mais c'est pas vrai, hein! Ça, c'est vraiment la brochette de... C'est la brochette de chiantitude, hein. Putain, les mecs, jusqu'au dernier petit goût niafier, faut aller le chercher dans le trou des fesses de mamie, quoi. Et le problème, c'est que t'as des cadenas qui sont verrouillés dans la chaîne de liens. Et ces cadenas, certains se déverrouillent avec le scénar, et certains se déverrouillent parce que tu allais chercher le dernier troufion qui se trouvait au bout d'une ligne. Donc forcément, tu peux pas t'amuser à te dire, bah je fais le tracé jusqu'au bout. À un moment, tu vas avoir un blocus et tu seras pas où il... Enfin, tu sauras pas où il est. Donc c'est à toi de trouver. Ouais, il est marrant celui de gauche avec son chapeau. Trop marrant celui de gauche. Non, il était marrant. Il était marrant. Bon alors, où c'est qu'il est? Michel. Ouais non, Inazuma, jeu incroyable, jeu qui a marqué mon enfance et que je trouve encore génial aujourd'hui. Mais c'est vrai que il a des points sur lesquels il a pris un petit coup dur. Hein. Un bon coup de dieu. Notamment, genre le recrutement. Fou. Ça, c'est chaud. Ha ha. Est-ce que je suis le connard qui a oublié de recharger trois fois? Oui. Oui, c'est moi, oui. Est-ce que je continue de mettre des buts? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ça, ça s'appelle le talent. Ça, le problème en fait, c'est que je suis un gars qui fonctionne en automatique. Tu sais, t'as des gens, ils contrôlent leurs faits et gestes. Moi, mon corps, il fait sa vie. Donc en fait, du coup, mon corps est mon cerveau. Hein. Donc c'est pour ça que j'oublie à chaque fois de faire des choses évidentes, comme se recharger. D'ailleurs, là, j'ai pas intérêt à oublier parce qu'on va aller se faire un match. Allez, messieurs, dames, petit match amico. On va tenter. On va pas tenter, on va terminer la ligne qui se trouvait tout en haut, rappelez-vous. Ils sont crevés mais ils arrivent toujours à mettre des buts. Bah ils sont crevés, oui, mais en fait, en partie, leurs PE sont toujours actifs. Hein. Tu vois? Les PT, points techniques, les PE, points d'énergie. Enfin, je veux dire, tant que les mecs, ils crachent pas leurs poumons, ça va. Hein, en vrai. Juste, ils arrivent plus à sauter. Ouais, c'est ça, en fait, ils arrivent plus à sauter. Ils arrivent à courir, mais plus à sauter. Eh, ça part la motivation, à l'air de rien. Ok, petite save.
on est bien. Niveau d'équipe, 34. 35. Juste en faisant des chaînes de liens. Ça va. Alors, mademoiselle. Il nous restait un match à faire, la Royal Academy, avant le coffre. Et du coup, on va pouvoir savoir si, avec juste des rangs A, minimum, on peut accéder au coffre. Je pense qu'avec des rangs A, on peut avoir le coffre. Parce que si ça réclame le rang S, c'est chaud quand même. Ok, on tente les 5 buts. Je rappelle, 5 buts pour avoir le rang S. Même si c'est un match amical, on ne fera pas de quartier. Nous non plus. Très bien, tâchons de faire un beau match. Oh, c'est mes tenues que j'ai équipées. Attends, j'ai équipé quoi déjà? Ils sont sympas leurs maillots là. Ouais, ils sont sympas mes maillots. Alors attends. Action, réaction, formation. Formation, formation. Axel devant. Shadow devant. Maxou au centre. Parfait. Ensuite, toi tu vas au milieu. Vous êtes mes deux milieux. Ok. Quoique. Attends. Je réfléchis. Je réfléchis. Il me manque quelqu'un là. Polo! Oh Polo! Je trouvais pas Polo. Je paniquais un peu. Ok. Il y en a deux qui sont en retrait, mais je les oublie pas. Hein. D'ailleurs. On les oublie pas. Axel sur le banc. Qui est niveau 43? Très bien. Zoukanayou. J'ai dit Zoukanayou. Si. En prio. Oh la vache. Ceux qui sont pas hauts. Ok, c'est parti. Allez, petit match pour se détendre. Par contre, ça c'est cool parce que même contre l'ordinateur, c'est plaisant quoi. Je me suis pris une baffe. On a tout vu. Watch. Même contre Maxou, ça passe. Incroyable lui. Ah, Sam Ford, mon pote. Oh là là. Tacle de la mort. Ah bah oui, hein, Boomer, c'était un pote de. De Polo. J'allais dire de Bobby, mais de Polo aussi, oui. En fait, le problème, c'est que tous les gens qui connaissent Polo, au bout d'un moment, ça finit par devenir des racailles, hein, des ripoux, hein, des pourris. Loul. C'est qui ce joueur? Un gamme. Il me dit rien du tout. Chaude. Bon, bah. C'était un peu la solitude quand même, non? Il y avait pas un petit côté genre. Je veux faire la passe, mais en tout, il y a personne. Donc, écoute, on va pas se priver, hein. Juste par contre, selon moi, ça passera pas. Voilà. Parce que. Ouais. C'est King, hein. Les gars, c'est King. Finalement, j'oublie le 5-0. Le 5-0, ça passera jamais. On va plutôt partir sur un 3-0. Sur un 3-0, et encore, je pense que je vois gros. Ah oui, il y avait Master aussi que je voulais. Il y a beaucoup de joueurs que je veux. Mais c'est bien, parce que ça veut dire que tu te bloques pas juste à une première équipe. C'est que t'as des joueurs qui sont intéressants. Oh! Et il retente le tir comète! Qui passera pas, hein, mais... Il retente! Au pire, je l'épuise. C'est pas grave. Comme ça, ensuite, j'envoie la sauce. Bouclier d'énergie, ça passera pas à nouveau. Des fois, ça peut passer. Des fois, t'as plus ou moins de la chance, ça peut passer. Oh! Ça pique nidouille! Max, tu me déçois, Max. T'es pas terrible, Max. Tu me... Non, c'est nul. Hein, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Sosie. Le principal défaut de Shadow, je le vois de plus en plus, parce que c'est ce que je surveille à chaque fois, c'est ses pétés. Il a pas de pétés. Il a des très bonnes techniques, mais il a pas de pétés. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, hors-jeu, un peu tard, je trouve. Non, surtout, je me suis dit, mais j'ai pas de technique, là, comment c'est possible? Les gars, un but, ça vous dit, non? Dans un sens ou dans l'autre? Je vais avancer un peu le game. Subtil. Ouais, je dis clair, il y a des défenseurs! Non, alors, j'ai aussi la réponse à ça.
C'est, oui, aussi, peut-être, une partie d'éléments, et encore, sont tous les deux devant. Mais c'est surtout que subtilisation, c'est une technique qui prend rien. Alors que détriplement, c'est une grosse technique. Enfin, une grosse technique. Une bonne technique avec plus de points. Donc forcément, si la technique est plus chère, plus efficace. C'est logique, c'est logique. Allez! Je pense honnêtement que même sans le TGCM, ça passe. Ok. Petit but avant la fin. Tu te remontada ou pas? Tu te remontada? Remontada, c'est parti. On avance. Quelle la balle. Bien joué. Cours. C'est pas grave. Putain mais wesh. Je n'arrive pas à atteindre le but. Eh, hey, c'est la Royal Academy, hein. Ils ont une bonne défense. Hein. Ils ont une bonne défense. Le rond S du premier coup, ça aurait été une vraie chance. Hein. Allez, Jude. Ah, mi-temps. Bon, bah, on est nul. Allez, un but quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends. Déjà, on va changer d'attaquant. En Metterine. Parce que Arcane, malheureusement, il a plus de piles. Allez, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. Oui, bien vu. Les gars, frénésie ou pas, laissez-moi passer. Au bout d'un moment. Putain, c'est pas vrai. Ils veulent pas, hein. Ils nous laisseront pas. Ils nous laisseront pas. Mile. Mile qui a pas de technique. Mile qui est à nu. Mile qui est à poil. À poil, il a rien. C'est vivement qu'ils prennent du galon. Hein. Putain, Bloom qui est violent. Allez, bam. C'est la faute. Est-ce que j'aurais dû m'organiser? Je me suis pas organisé, j'ai été trop vite. J'ai été trop vite. Ballon illusoire. Oui. Yes. Par contre, il y a un défenseur qui me colle. Ça va être compliqué. On essaie, on essaie. Oui, non. Ah, ça passe. Ah ouais, mais là, ça sent le hors-jeu. Oh non, non, le vieux hors-jeu. Non, 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 pas hors-jeu, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Ok, attention messieurs dames. Je sais déjà ce qu'on va faire. C'est parti, la foudre. Ah, j'ai pas le choix là. Ah, par contre avec dalle Ouais, ouais, ouais. Frénésie. Ok, d'accord, très bien. Bon bah premier but. Wouhou. Ça déjà, c'est fait. En fait, se prendre un but, c'est, je vais pas dire difficile, mais ça va, ça on peut éviter. Par contre, en mettre, dans l'autre sens, tu vois, c'est faut être capable de les mettre aussi. Max. Max a plus de points. Max il est à poil. On continue. Heureusement que j'ai plein de remplaçants. Mais c'est ça qui est cool parce que, à la différence de mon équipe d'époque, ça je m'en rappelle, j'ai des vrais remplaçants utiles. Moi à l'époque, j'avais mes petits joueurs phares, hein, dont certains que j'ai encore là. Comme quoi, 10 ans après, toujours les mêmes. Les mêmes petits plaisirs. Mais du coup on avait toujours les remplaçants. Et il n'y avait pas de remplaçants en particulier que j'utilisais. J'avais mes 10 joueurs sur le terrain. Et les remplaçants c'était des persos un peu poubelles. Juste là parce qu'il m'en fallait quoi. C'est chiant. Oh, s'il vous plaît. Respect. Respect est mort ce soir, hein. Est-ce que, attendez. Je voulais pas mais finalement, si on peut se faire un petit tir puissance 2, que je vois à quoi ça ressemble. Tir puissance 2, on essaie. Oh, et du coup, il se fait à 2. Ah, puis avec Axel, mon gars, oh, le but, il passe. Hein. Bouclier total ou pas, hein. Hop, hop. S'il vous plaît, attendez. Attendez, respectez-les, quand même. Au bout d'un moment. On est là, on est bien, on est présent. Ok, ensuite. Il est où? Eric Eagle, t'as toujours pas de vraie technique toi. Hein. Enfin, Terry Hélicoptère, c'est bien, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Hein. Oh, Polo! Polo, Polo, Polo. Nathan. Allez, on y va. Allez, un troisième. C'est quoi ton perso préféré à part Sean? Faye.
Faye. Faye qui n'arrive que dans Chronostone, je crois. Ensuite, ensuite, faudrait que je revoie dans l'avancement. Parce que autant je me rappelle bien de la première saison de Inazuma. Et ensuite, à partir de la saison 2, ça commence à être un peu brouillon. Puis saison 3, laisse tomber. Et Go et Chronostone et autres. Mais je sais qu'il y a pas mal de persos que j'apprécie. Et beaucoup qui arrivent dans les saisons à venir. C'est pour ça, hein, je le dis, mais moi, Inazuma, c'est un vrai kiff parce que j'aime beaucoup le début. Parce que c'est culte. Enfin, pour moi, c'est culte. Mais par contre, la suite, en termes de variété, de personnages, de possibilités, ça va vachement loin et j'aime beaucoup. Après, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas le délire avec les djinns? Faut que je me rematte l'anime. Parce que j'arrive plus à me rappeler. Je vois un peu le délire, c'est inspiré de Jojo, hein, je pense. Mais voilà. Je sais pas. Je me rappelle pas. On va voir. On va voir. Ok. Maintenant faut faire la remontada. 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 Hop. On avance. Hop. Vas-y. S'il passe. Dégoûté. Je regarde le temps, mais ça me paraît compromis. Hein. Non, c'est mort. C'est mort. Fin de jeu. Tant pis. Bon, du coup, ça fait 2-0. C'est pas un rang A, ça. Ça, je crois que c'est un rang B. Un rang A, ça doit être à partir de 3 buts. Alors, du coup, est-ce qu'avec un rang B, on peut avoir le coffre? Est-ce qu'on peut avoir le coffre? Joue bleu. Revenez me voir pour organiser d'autres matchs. On va se faire un Inabikari. Parce qu'en vrai, ça fait du bien de jouer quand même. Des vrais matchs. Ah. Alors, du coup, on a obtenu les crampons ailés. Ah, et du coup... C'est bon, ça avait bugué. Et du coup, pour avoir le rang S, bah, il faut faire tous les rangs S. D'accord. Ah, c'est pas mal. Donc, c'est un coffre ouvert avec un faux fond. Enfin, un autre fond. Parfait. Parfait, parfait. Inabikari, monsieur, dame. On est chaud. On va aller augmenter notre puissance de technique. Parce qu'en vrai, c'est notre gros, gros point faible. Ça et le fait de ne pas avoir beaucoup de points d'énergie. Après, le beaucoup de points d'énergie, en vrai, on se débrouille. Avec les remplaçants et autres. Mais le fait de ne pas avoir beaucoup de puissance, de technique d'attaque, de défense et autres, c'est compliqué quand même. C'est très compliqué. Alors, bonjour. Bienvenue. Alors. On va faire ça. C'est parti pour une section physique. Ah, c'est vachement bien l'Inabikari. Moi j'aime bien. Oui, en plus, j'avais pas fait gaffe. Oh, ça change le design. Oh, c'est stylé. Ok, c'est parti. Puis je pense qu'on terminera cette session sur ça. Ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout de la chaîne de liens. Oh, il y a Ards. Ards Later. Je sais plus comment il s'appelle. Main céleste. Pas touche. Pfiou. J'ai trop peur à chaque fois. En vrai, non, j'aurais dû le laisser faire. Comme ça, même s'il avait fait une technique et que c'était passé, on aurait pu avoir la fameuse réponse. Est-ce que si on perd un défi, on nous sort? Parce qu'on n'a pas la réponse, hein. Quoi? Bon, c'est quoi? Il est chiant, lui, hein. Il est très très chiant. Watcha! Barrez-vous. Ok. On va lui apprendre le tir météore. On va lui apprendre le tir météore parce que à chaque fois j'ai les boules de pas pouvoir utiliser sa technique parce qu'elle consomme de ouf. On va lui apprendre le tir météore parce que c'est chiant. C'est chiant, en fait il est en avant mais il a pas de technique d'attaque réellement. Non, c'est casse bonbon. Attendez, parce que là il se passe n'importe quoi dans ce défi. Je suis sur le point de le perdre pour rien en fait. Donc là je vais tranquillement faire de la tornade noire. Et ensuite on varie un peu. Donc, tornade noire. Oui, si tu perds, tu sors. D'accord. Bon.
Après, c'est pas dur de perdre, mais voilà, le truc c'est que je n'ai que la tornade noire. Après, j'ai d'autres joueurs dans l'équipe, mais l'idée c'est d'augmenter avant tout ceux qui en ont besoin. Quoi. Donc, oui, non, mais je vais lui apprendre le tir metteur. Parce que de toute façon, sinon je vais le garder et je vais pas savoir à qui l'apprendre. Donc, vas-y, tir météore. Alors, joueur. Shadow, apprendre, technique. Option, apprendre. Tir météore. Ouais. Voilà, comme ça, ça fait une petite technique. Une petite de 24. 24, c'est efficace et en même temps, ça consomme pas tout, c'est bien. Ah, oh, c'est gentil ça. Mmh. Boisson de sport, nice. On avance. Bon, bah jusque là, c'est progressif. Hein. Ayor. Ta-da. Gna gna. Gna gna gna. Non! Ma faute. En fait, j'ai le réflexe de... Je sais pas pourquoi. De prendre la technique à gauche. En me disant qu'en fait, de gauche à droite, ça monte en puissance. Pardon? Quoi? Ah ouais, mais là, je vais me faire évacuer. Ah mais attends, parce que là... Ok, attends. Non, j'avais une super technique. Non, j'avais une idée. Wow, touk, tac, attaque, pouk, hein, ça va être compliqué. Attends. Oh. Là, ça va être super dur, parce qu'il a une défense de porc, en fait. Mais alors, pour lui mettre un but, faut vraiment le dégager, lui, en fait. Oh, j'ai perdu. Oh, je la sens pas, j'ai perdu. Non. Vas-y. Ok. Ensuite, on va faire tac et tac. Ok. Je... Oh, purée. Oh, mais c'est dur. J'ai plus rien. Non. Non, on va me foutre dehors. Non. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Allez, les gars. Non, mais c'est pas vrai. Bon, bah, j'ai perdu. Bon bah, première défaite dans l'Inabikari. Attends, on va faire un truc. Parce qu'en fait, j'ai du mal à faire mes défis. Parce que sur mes 4 personnages là, bah, j'ai Marc qui est gardien. Mais en fait, j'ai que Shadow qui peut faire des trucs. Pour le reste, j'ai personne d'autre. Donc on va mettre... on va mettre Polo. Ça, Polo, il va prendre du niveau aussi. Mais c'est vrai que là, je manque à mort de... D'attaque, de... Je peux rien faire en fait, j'ai que Shadow. Si j'ai plus Shadow, bah c'est mort. Et Shadow il a que des grosses techniques. Ah. Alors, on fait moins les malinx. Le polo tir. La polo tir. Ah, il y a l'idée. Hein. Ça passe ou pas? Oh, la polo tir. La polo tire. Très bien. Ah bah c'est validé. Ah c'est... Oh on est bien, on est bien. Ouch. Attends. Yop là. Voilà. Bah ouais, il a que des grosses techniques et en termes d'énergie, Shadow il a rien. Donc vraiment, c'est ça son problème à lui, c'est qu'il lui faut plus de pété. Hein. De ouf. De plus en plus, on a besoin... Attends, je vais mettre Polo devant. Mais Polo, il a le même problème, en fait. Il a qu'une seule technique d'attaque. Il est défenseur, je rappelle. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait? Non. Miles court. 88 miles à l'heure. T'as compris la blague?
parcours. Ok, alors, je sais pas trop ce qui se passe avec mes persos de défi là. Peut-être la fatigue aussi qui joue. Mais j'ai l'impression que mes persos de défi font n'importe quoi. Genre, ils se mettent tous en boule à un endroit. Et je sais pas, ils ont pas le réflexe d'aller chercher la balle. Vas-y, Miles. Miles est efficace, mais Miles, elle a rien. Miles, il a rien. J'arrive pas, hein. J'arrive pas. Il a rien. Du coup, voilà. Il a pas de technique d'attaque, il a pas de technique de défense. Il est nu, à poil. Ok, concentre. Si je perds deux fois, je pète un plomb. Non, mais... La fatigue doit y être pour quelque chose. La fatigue. Ah, mais la fatigue, elle est là. Wow, Polo. Mile. Oh, c'est pas vrai. Non, attends, j'ai les nerfs, là. Bon, bah, on se fait encore évacuer. Attendez, j'ai un peu les nerfs, là. Mais c'est pas vrai. Attends, c'est la fatigue ou bien... J'arrive plus. Attends, je perds tout ce que je fais. Attends. YouTube, si je perds une troisième fois, on s'arrête sur ça. Après, attends, je vais pas vous mentir, j'ai froid de ouf. Donc j'ai les mains totalement gelées. C'est pas une excuse. Je sais, c'est pas une excuse, mais vraiment, en fait, j'ai les doigts gelés. Et je suis sûr que déjà ça aide pas. Je sais pas, c'est moi qui arrive plus à réagir ou c'est mes persos qui réagissent plus là? Oh, tu veux des réponses? En avant. Ah mais c'est chiant de perdre sur les défis. Si encore je perdais sur un match. Si on perd sur ça, on est mal barré pour Zeus les gars. Hein. Pouah. Parce que Zeus, c'est Zeus hein. Putain mais... Cours pas Shadow en fait. Ah, mal barré. Hein. Oh là là, tiki tac tac hein. Allez, l'Apollo tire. Compliqué hein. Protector Ball. C'est Polo hein. La seule technique qui pouvait le résister, c'était la muraille infinie hein. Oui d'ailleurs, je crois que c'est la seule technique qui a marché. J'ai un doute. Mais c'est parce qu'il venait juste de là-bas, la technique. Maintenant qu'il est rodé. Il est rodé, quoi. Ok. Donc, est-ce que je peux faire plus de deux salles, s'il vous plaît? Plus de deux salles. Ok. Tiens, météore de Shadow. Est-ce que ça va suffire, surtout? Que c'est une technique qui coûte pas cher, mais forcément elle est moins forte. Et surtout, Shadow, je crois que la tornade noire elle était pétée, hein. Dis donc. Et niveau combien, Shadow? Et niveau 30, je crois. 30, 33 peut-être. 27. Ah, c'est exactement ce que j'ai dit. Mmh. Ouais, il faut vraiment par contre qu'on bourre l'entraînement pour... Pour Zeus. Je m'étais dit qu'on ferait peut-être Zeus après. Compliqué, hein. Compliqué. Non, mais Zeus, ce sera pour une nouvelle session. Hein. Je me serai entraîné d'ici là. Hop. Hop. Yop là. Allez. Oh non, c'est lui. Oh, c'est lui. C'est celui qui a des techniques de gardien. De gardiennage. Bien joué. C'est le résultat de nos efforts. Bien sûr. Le talent, tout ça. Le résultat de nos efforts. On est bien. Alors. On avance. Bonjour. Je cherche le terrain. Est-ce que vous l'auriez vu par hasard? Je rappelle, c'est pas parce qu'on monte que le terrain est en haut. Hein. Ça se trouve, le terrain, il peut être totalement en bas à droite. Hein. Ok. Ah, Polo!
Oh là, qu'il est beau l'Apollo tir. Non, en vrai, il est vilain. J'aimerais bien savoir d'où il sort ce tir. Qu'est-ce qu'il représente concrètement? Parce que c'est un tir un peu blagouille, quoi. C'est il est pas sérieux comme tir. Donc concrètement, enfin, c'est pas il sert à quoi, parce qu'il sert à marquer but. Mais qu'est-ce qui a fait naître ce tir? Y a pas quelqu'un qui veut regarder? Oh, Magic s'est appris un truc. Attends. Magic s'est appris un truc. J'ai vu. Ah mais il a des techniques. Ou alors il a appris les deux en même temps. Super, donc maintenant il peut attaquer. Et bah voilà. Quand il veut, il peut. Donc maintenant il peut garder la balle. Super, non mais c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Vous n'aurez pas ma liberté. Très bien. Oui, oui, je savais. Je savais. Vas-y, Polo. Pourquoi est-ce que les nains dans ce jeu ils respectent personne? Pourquoi? Vous aussi vous avez cette impression ou c'est moi? J'ai l'impression que tous les nains dans ce jeu, ils sont au-dessus de tout. Putain, mais arrêtez de vous sandwicher, les gars, oh! Non! Ouf, ouf! J'ai pas fait de bêtises? Ok. Non, parce qu'en gros, j'ai cliqué au bord de l'écran et j'ai cru étirer la fenêtre. Mais non, c'est bon. Non, c'est bon. Le format est toujours le même. C'est bon. Ok. Allez, mets un but. Mets un but pour Popo. Parce qu'après, j'ai plus point. Hein. Donc c'est ça ou rien. Super. Ouch. Polo, Shadow, Miles on oublie, voilà voilà, tout ça de ça. Hi. Donc, est-ce qu'on a atteint la chambre du match? La chambre du match? Toujours pas la chambre du match. Zut, attends. Changement. Dalle. Viens là. Max. Viens là. Ok. On continue. Je préfère savoir que j'ai des vrais tireurs, tant qu'à faire. Parce que de toute façon, au bout du compte, ils vont tous plus ou moins gagner des choses. Tire spirale. Max, il lui faut juste... En fait, Max, il est équilibré en étant déséquilibré. C'est-à-dire qu'en fait... Il est un peu sur tous les flancs. Comment on dit? Enfin bref, il est un peu voilà, au niveau de tout le monde. Mais du coup, il est fort en rien. Il est équilibré. Il faut plus de puissance. Je pense qu'il y a un peu plus que de la puissance. Je pense qu'il lui faut de la rapidité. Je pense qu'il lui faut de la puissance, de la défense, de l'attaque. Je pense qu'il lui faut un peu de tout. Et je pense que Marc, lui, il lui faut des points aussi. Hein. Bonjour. Ça va, ça va, ça va, j'ai des bouteilles. Attention. Ah ouais, tu veux faire le con, hein? Ah bah tu, écoute, tu veux faire le con, passe au niveau du dessus, hein. La légende raconte que c'est Max qui l'a inventé cette technique. S'il vous plaît. Que le tir spirale passe pas, d'accord. Mais la tornade inversée, s'il vous plaît, bah oui, forcément. Sinon le respect n'aurait pas été présent, je veux dire, là on serait sur autre chose, ça aurait été du grand n'importe quoi. Okay. Ok. Et crotte, c'était pas ici. Tant pis. Allez, on avance. Dalle, t'as faim ou pas? J'ai la dalle! Lol. Oh, dommage! Parce que le mec, il avait une technique taureau furieux. J'aurais voulu savoir c'était quoi. Taureau furieux, c'est quoi ça? J'avais vu un truc qui a un taureau furieux. Tire fantôme. Fait longtemps. En vrai, dalle, je l'aime bien. Mais il a pas de technique incroyable non plus, hein. Dalle, fait chier de le dire, mais il est remplaçable en fait. Qu'est-ce que vous en dites?
pourrais pas mettre Kevin à la place de Dal. Ouais, je sais, ouais, ça fait 10 fois qu'on se pose la question aujourd'hui si on va pas remettre Kevin dans l'équipe. Mais si on continue de se poser la question, c'est que quelque part t'as une vérité dissimulée. C'est ce que je veux dire. C'est qu'au fond de nous, Kevin nous manque. Ah, c'est ses cheveux roses hein, qui nous manquent. Je suis en train de me faire tout le labyrinthe là, mais je vois pas la sortie. Oh! Il y avait un mec, c'était ça. Il fait trop peur. Lui là à gauche. Lui. Ah, lui il fait trop peur. Tornade. Putain, j'ai froid hein, pour de vrai. J'ai remis le chauffage, mais. Pouah! Yes! C'est vraiment une bonne technique la tornade. En fait, toutes les tornades du jeu sont bien. Et vous voyez, là où il y a beaucoup de similitudes avec des techniques qui se ressemblent dans le premier, à partir du deuxième, enfin je prends par rapport à mes souvenirs de l'anime, à partir du deuxième, on va avoir des techniques qui vont commencer à se démarquer réellement plus. Et par rapport au jeu, je me demande comment interviennent tout ce qui est djinn et formation. Parce que normalement, on les aborde pas trop, mais il y a aussi les formations d'attaque et de défense qui apportent des choses. Du coup, je me demande comment ça fonctionne. Putain, mais il est long ce labyrinthe là! Si on me dit que c'était la porte en bas à droite, je pète un plomb. Non, mais si c'est le cas, c'est le cas, mais c'est. Wouah! Attends, mais je me tape tout le donjon là! Tous les murs! J'aurais tout visité, hein! Tout! Tout, 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 tout! Ah! Je suis à poil. Très bien. Déjà, les techniques vont se démarquer, mais aussi elles sont level up. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en dites ? Ouais, et puis après, on va commencer aussi à aborder tout ce qui est V2 et tout. Hein. Je me rappelle de ça. Et en plus, il y a des techniques de défense, de blocage. Déjà des techniques de. Non ? Non ? Je comprends pas trop. Ce donjon de la longueur. Ce donjon qui veut pas de moi. Ce donjon qui pousse les murs. Ce donjon qui va toujours plus loin. Ce donjon qui ne m'aime pas. Ce donjon. Je sais pas. C'est impressionnant quand même. On avance. Si au moins les défis en eux-mêmes apportaient. Merde. Ces avantages que je suis venu chercher, les pétés. Enfin, les. Si, les trucs de technique. C'est-à-dire que certaines techniques de défense qui peuvent bloquer les tirs ou les atténuer. Ah ouais! Oh, trop bien! Ah ouais! Et ça commence dans le 2, ça? Ouais! C'est génial! Ah, j'ai hâte! Non, mais moi je prends mon pied sur le 1, mais je sais qu'on m'a dit que ça commence vraiment à devenir kiffant dans les jeux à partir du 2 et du 3. Hein. En sachant que le 2, j'ai dû à peine le toucher à l'époque. Je me souviens pas être allé loin. En fait, bon là j'ai pas trop l'occasion, mais ce qui serait cool, ce serait que je puisse récupérer ma cartouche. Que je la lance et que je vois concrètement où j'en étais, quoi. Mais j'ai pas dû le finir. Mais si j'ai dû le finir. Par contre, j'ai pas fait le 3, ça c'est sûr. Si j'ai dû le finir parce que... Je me rappelle que dans mon équipe, j'avais... comment il s'appelle? Janus? J'avais un membre de Diamond Dust. J'ai dû faire le 2. J'ai dû faire le 2, j'ai dû le finir. Mais j'ai dû m'arrêter là. Peut-être parce que le 3 était pas sorti, je... sais pas. Ce non-respect... Le mur, par exemple, peut bloquer des tirs. Mais c'est trop bien! Surtout que techniquement, dans l'anime, ils le font. Hein. Enfin, genre, ils utilisent des techniques de défense pour atténuer hein, les tirs. C'est génial! Merde. Bon, en 2 secondes, je voulais mettre un but avec ma tête. Bon. Bah, 8 km plus tard, on avance. 8 km plus tard, on est toujours là-dedans. C'est un truc de dingue! Je suis rentré il y a 28 minutes! Non, je sais pas. Mais, waouh, on est toujours là, hein. Présent,
Formidable, on est bien. Et là qu'un tir, mais il consomme pas et il met. Donc écoute, je prends. Hein. D'ailleurs, je crois que le tir hélicoptère, c'est le tir unique de Eric. Hein. Il me semble. Hein. Il me semble. Il y aura aussi des frappes de loin, genre tu peux tirer du milieu du terrain. Eh, vous me chauffez, hein. Vous me chauffez vraiment. Est-ce que c'est une bonne idée de Persona 5 ? Eric, il est pété. Mais de toute façon, on l'appelle magicien du ballon, c'est pas pour rien. Hein. Ça, je savais qu'il était pété. Ce jeu m'aime pas. Je suis en train de me taper tout le donjon et on va me dire que c'était en bas à droite. C'est un truc de ouf. Ça avance. La vache. Non, j'arrive au bout parce qu'après il y a le texte. Donc sur la carte ça va poser problème. Eric, c'est la star aujourd'hui. Fou. Allez. En plus, je sais pas encore combien de temps va tenir ma lumière là. Normalement, ça devrait le faire. Mais bon, dans le doute. Eh B. Même plus envie de vous affronter, quoi. Mais saoulé. Oh la violence! Alors. Non. Non plus. Non plus. Non plus. Oui. Oui. D'ailleurs, je vais te mettre une double couche à toi. Alors, Polo. Oui. Ensuite. Que quelqu'un d'autre mérite. Erin. Non. Max. Oui. Double couche d'ailleurs. Voilà. Eh ben, autant les PE c'est pas forcément intéressant. Ah, plus de lumière. Autant les PT ça peut l'être. Heureusement que j'ai dit que la lumière ça devrait le faire. Hein. On a de la chance, l'autre batterie est à bloc. Ok. Très important pour YouTube, est-ce que nous sommes toujours synchronisés? C'est pour savoir si je relance ou pas. Est-ce qu'on est toujours synchronisé? Je rappelle qu'on a des problèmes de synchro labial. En fonction de la lumière, en fait. Si la lumière est mal foutue, on a des problèmes sur plein de choses. Est-ce qu'on est toujours synchronisé? Est-ce que je peux continuer sans crainte? Sinon, je... C'est bon. Ok. Parfait. Ah, y'a pas de save. Au pire, la save, en vrai, on s'en fout. Hein. Techniquement, les matchs, on les gagne. Hein. Y'a que les défis où c'est compliqué. Pourquoi les défis d'ailleurs? Parce qu'en fait les défis je veux pas me donner à fond. Et surtout j'ai pas tous mes joueurs. Alors, quel mix on va avoir droit? La dernière fois on avait eu Royal Academy et... On avait eu quoi? Royal Academy et... Et je sais plus. Et Shuriken. Oui c'est ça. Et là du coup qu'est-ce qu'on va avoir? Attends. Axel, devant. Ouais. Et ensuite, on terminera la VOD sur la récupération de Kevin. Parce que plus j'y réfléchis et plus je me dis que je vais regretter de pas avoir Kevin. Yas. Et Dal, je t'aime bien, mais... Ah, t'es trop... Pas assez efficace, hein. Boomer, en vrai, il remplace Bobby, donc lui, je le garde. Shadow, il est là. Erin, pour le moment, il est très équilibré. Il a de tout. C'est ça qui est bien, en fait, avec Erin. C'est un peu le même délire à la Max. On est un peu plus fort, d'ailleurs. Ah, donc c'est Teria et Kirkwood. Ah, c'est ça. Parfait. Parfait. Alors, messieurs, dames. On va peut-être changer de formation aussi un jour. Un jour, peut-être. Si l'envie me prend. En vrai, moi, c'est une formation qui me parle bien. Donc...
On va regarder après pour changer de formation, voir si on trouve un autre truc. Alors, donne la balle, donne la balle, donne la... Hey ! Ah oui, mais c'est une double technique aussi. Les doubles techniques, mon gars, waouh ! Par contre, c'est une fois pas deux. Ah, vu comment ça consomme... Voilà. Mile, il est très bien, mais il faut juste une technique de défense. Surtout que pour un milieu de terrain, genre, c'est essentiel. Mais il va en avoir une, j'en suis sûr. Électrocution. Ok, Jude, t'es où? Jude, t'es dans le tas, t'es là, t'es bien, on est frais. Vas-y, avance. Ah non, pas comme ça! Oh là là! Ridicule, ridicule! Mais oui, mais qui dit pas tu voulais? T'es chiant. Allez, pas hors-jeu, s'il vous plaît, pas hors-jeu. Normalement, il y a de la défense, pas hors-jeu. Fou! C'est bon. I feel good. Alors, du coup, il l'a fait qui? Ah! Ouais, mais... Ça passera jamais la mur infinie, ça. Jamais. Oh, ça, par contre, ça peut passer. Très bien. Et bonjour aux Kazma qui nous rejoignent. Ça doit être parce qu'en fait, vous êtes plus du soir, les Kazma, mais pourquoi vous arrivez toujours en fin de session? Je comprends pas. Si, ça doit être ça, mais... Ah, attends. T'as déjà plus de piles? C'est chaud. Ok. Formation. Attendez. La basique, non. Triangle de la mort. Eh, c'est pas mal. Attends. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. On essaie. On essaie. C'est parti. De toute façon, au bout du compte, ça finit toujours pareil. Hein. C'est... Tout le monde fonce dans le tas, on se disperse, on fait des tic-tac, et puis basta. Comment ça, un ballon illusoire, ça passe l'ombre? Après, en vrai, les cœurs-coudes, hein, les cœurs-coudes, on les a affrontés en dernier. Mais, Vous voyez, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on est venu. Hein, c'est parce qu'on a besoin d'améliorer nos techniques. Nos techniques, parce que là, c'est chaud, quand même. Bon, bah, jusqu'au but, hein. Écoute, il est bien parti, hein. Allons-y, Franco. J'ai pas rechargé Marc. Oh, zut! Oh, je l'avais dit. Ah, c'est bon, ok. Ah! Eh ben, heureusement que j'ai King, et du coup, au cas où. Ça sera peut-être pas le taf, mais moi j'aurai un minimum, quoi. Ouais, j'ai oublié de recharger Marc. Ah, bah, c'est super, c'est bien, ça. Et intelligent, on est bien. On est bien. Hein. Acha, acha. Hop, solitude, quand tu nous tiens. Ah, ouais, mais là, ça sent le. Ouais, c'est pas terrible, ça, hein. Je crois que là on va se taper un foot. On va se taper un foot. Parce que je suis derrière la défense. Après j'y comprends rien au foot, donc ça se trouve. Ouais voilà, j'y comprends rien au foot. Je l'ai dit hein. Ah je préviens moi, quand j'y comprends rien, j'y comprends rien. Impression qu'il peut pas faire les murs infinis. Comment ça se fait? Bon peut-être qu'il a juste pas envie. Bon il a peut-être juste pas envie. Moi parfait, allez hop, 2-0. Première mi-temps, on est bien. Est-ce que il y a des Kazma qui savent si le fait, j'ai oublié d'appuyer, hein, si le fait d'avoir plus ou moins de buts marqués, ça donne plus ou moins de récompenses à la fin. Vous savez ou pas? Genre par exemple, si je gagne à Inabikari avec un but, est-ce que je gagnerais autant que si j'avais fait 5-0, par exemple? Vous voyez? Est-ce qu'on gagne autant? Oh! Vas-y la fille! Complètement con ce que j'ai fait. C'est pas grave. Axel. Shadow. Mile. Nathan. Zut.
Non, le fil à la balle. Ou pas. Allez les gars, mi-temps. Bah autant de... je sais plus comment ça s'appelle. Là en gros, je suis venu à l'Inabikari pour gagner en puissance de technique. Mais du coup, est-ce que si je gagne 2-0 ou 5-0, est-ce que je gagnerai autant de puissance de technique ou pas? Ou est-ce que plus je me serais débattu, plus je gagnerais? Comme pour les stats ou la puissance ou quoi. Genre de temps en temps, tout à l'heure, je me rappelle... Non pas tout à l'heure, attends, c'était quand? Hier qu'on avait fait l'Inabikari, ça devait être hier. On avait gagné genre 7 points d'attaque, ou un truc comme ça. 7 points de technique, c'est ça. 7 points de PT. Est-ce que, si j'avais gagné 5-0, j'aurais gagné genre 10 points de PT, tu vois? Est-ce que ça te définit par rapport au nombre de buts que tu as mis? Oui, j'avais gagné des PT et des PE. Mais voilà, en fait, j'étais juste venu pour les PT à la base. Mais est-ce que du coup, ça se vaut? Est-ce que ça se vaut? Est-ce que voilà, que je gagne avec 2 ou avec 28 points à la fin, est-ce que je gagne pareil? Parce que ça se trouve, si ça gagne pareil, ça sert à rien que je me débatte à faire un score de 38-0. Hein. Bon, après, si, c'est rigolo. Puis surtout, ça fait toujours de l'XP. Mais pour la vraie récompense de Inabikari. Parce que Inabikari, c'est de l'expérience, oui, mais c'est aussi... des stats plus plus quoi. Après j'oublie pas, hein, y a aussi des trucs dans la rue à faire. Les trucs dans la rue c'est bien, mais c'est vrai que ça revient vite cher. Donc c'est vraiment si t'as envie d'améliorer un perso plus qu'un autre. Mince, j'ai pas préparé ma technique de l'amour. La remontada magique. Jude. Oh, mais hors jeu de quoi? Je suis en plein milieu de tout le monde. Oh les hors jeux ça me gave. Hein. Les hors jeux je les comprends pas. D'accord. Si tu veux. Il l'a regardé passer. Regardez. Oh, une balle. Il la regarde passer. Je suis trop fan. Oh la vache. Oh c'est génial. Oh ce jeu. Ah ça met des hors-jeux et ça met des buts de l'irrespect. Hein. Oh la vache. Ah, j'adore Inazuma. Hein. Ah c'est... Ah si un jour McKenney fait un tableau d'Inazuma, je le veux. Hein. Fou. McKenney, super artiste indépendant qui fait des peintures via logiciel et autres. Et j'ai commandé une peinture de Yu-Gi-Oh, les gars. Suivez-moi sur Instagram. Bientôt, je vous la montre. Vous allez voir, elle est magnifique. Ah, ça va, c'est lui. Ok. Par contre, oui, j'avais dit que je changerais pour King. J'ai oublié. C'est censé être des joueurs de foot, ça. Et le pire, c'est que, techniquement, c'est le gardien de Tria. Bref, c'est celui qui connaît la muraille infinie. Les mecs, c'est des pros de la défense. Mais il s'est endormi au volant, là, hein. Oh la vache! Ouais mais nique en fait, c'est ma balle. Dis donc. L'autre il voulait me faire la danse du bambou, je le crame son bambou. Hein. Rien à foutre. Je crame son bambou, je m'en fous, je suis un dingue. Ah! Ce moment où tu te rends compte que Shadow n'a pas d'attaque en fait. Enfin il n'a pas de technique de... Vous m'avez compris. Ah, de toute façon on fauchage. Ah, peut-être se vénère un peu après. Dès que j'ai la balle, je me vénère un coup pour voir. Hein, histoire de changer d'air. Tiens, hop. Voilà. Parce que bon, depuis tout à l'heure, on fait les bons samaritains, on est gentil, mais bon. Ouais. Mais débute nous quand même là. Au bout d'un moment, le respect. Je vois le respect. Non, mais. Rappelez que c'est nous qui avons le respect là. Des langues. Dindou là. Surtout des joueurs de foot de grande équipe. Après, il y a grande et grande, de bonne équipe, de grande équipe. On aura le droit de parler de grande équipe quand on sera au moins au national. Alors, pourquoi c'est Shadow qui a la... Bon, je vais me prendre la mine. Ah, puis en plus, Shadow, il a été pris dans l'attaque. Très bien. C'était pas Shadow qui était censé avoir la balle.
J'espère que contre Zeus, ça va bien se passer. Ah, je vais faire ce qu'il faut, je vais m'entraîner, je vais faire ce qu'il faut, hein. Mais en fait, ce qui serait cool, ce serait que ça... Ok. Je crois qu'Axel, il s'est dit, bon, bah écoute, si la balle de l'irrespect, elle est passée une fois, elle passera deux fois, hein. Ouais, ce qui serait cool, ce serait... J'aurais pas le temps de mettre un but. Ce serait qu'en fait, le match se passe de la même manière qu'avec les anciens. Mais qu'on puisse tout donner, quoi. Ah oh! Il veut la mettre! Il veut la mettre! Il va la mettre! J'adore ces tirs de l'irrespect, là. Qu'on fait façon shonen d'action. Oui! Ah, je suis devenu un pro pour mettre des buts à la seconde, hein. Aïe, 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 aïe. Mais quelle perfection, mais quelle beauté, mais quel talent! Aïe, 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 aïe. Je rigole si tu avais marqué. Allez, j'avoue. J'avoue, vu celui qu'on a fait tout à l'heure, si on avait marqué deux fois comme ça, ah, franchement, là, on avait le droit de se foutre de leur gueule, quand même. Ah, la violence, la violence. Bon bah voilà, 4-0, fin du match, 33 secondes 24, on est bien. Ah, je suis devenu un pro pour mettre des buts à la seconde, moi. Oh la vache. Ah, ça s'appelle le talent, c'est tout. Et pourtant, à chaque fois, c'est pas moi qui ai le plus gros taux de possession. Hein. La balle, je l'ai pas tant que ça. Hein. Par contre, personne n'a pris de niveau. Ah, je suis content. Je suis content. Je suis déçu. De ouf. Alors, attends. Donc ça, c'est la partie physique. D'accord. En fait, j'ai pas du tout augmenté ce que je voulais. Yes, on est bien. Donc, messieurs, dames, on arrive sur une fin de VOD. On va aller chercher Kevin. Se recharger un bon coup. Et puis, je pense que je vais refaire de l'Inamikari dans mon coin. Hein, parce que là, il y en a besoin. Il y en a besoin. D'avance, j'espère que cette session vous aura plu. Pour ceux qui l'ont suivi, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Je peux comprendre que, bah oui, oui, c'est une série à part qui a pour objectif de faire avancer la chaîne de liens, qui n'est pas passionnante, hein, clairement. Voilà, le but, c'est de faire un peu tout ce qu'il y a à côté. On a récupéré tous les persos qui étaient un petit peu secondaires, importants ou intéressants. Même si on ne jouera pas forcément avec, on les a, et ça, c'est cool. On récupère Kevin, parce que bon... Il n'empêche que Kevin, bah, il est quand même niveau 42, il a quand même des tirs pas mal, pas mal. Et Dal à côté, bah, je l'apprécie, mais bon, écoute, on va dire que c'est un cheveu rose contre un cheveu rose, hein, ça se vaut. Comme un Weasley pour un autre. C'est... Non, ça se vaut, ça se vaut. Enfin voilà, fin d'épisode 4, messieurs dames, sur RTE, Road to Eleven. Oui, Road to Legend aussi, RTL, RTL. Je vous fais des gros bisous YouTube, je vous dis à très vite pour, d'un côté, l'épisode final sur Inazuma Eleven contre Zeus, mais aussi prochainement, probablement, pour eh bien, des matchs amicaux et d'autres petits trucs intéressants à faire à côté, et peut-être des matchs contre des équipes uniques. Ciao tout le monde!